الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والسلام تسليما مزيدا ثم اما بعد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني يعني في حديث في السلسلة جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على عمل عملته احبني الله واحبني الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني في الجواب ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وهذا عبد الله امرين عبين <coughs> vous avez dans ce hadith mes frères donc une une indication concernant un homme qui est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم pour lui demander indique moi dunni ala amalin informe moi « Indique-moi, oriente-moi vers une œuvre qui, si je fais cette œuvre-là, c'est-à-dire que l'homme, il est dans son intention d'avoir une, une orientation, une guidance, comme quand toi tu vas demander un conseil à quelqu'un, « Aoussini, conseille-moi. » Eh bien, cet homme-là qui vient voir le prophète, eh bien, il entend par cela, par sa demande, il entend avoir une indication qui va lui permettre, eh bien, bien sûr, d'être d'être orienté guidé par le meilleur des hommes qui est le prophète Mohammed ibn Abdullah Et donc il lui dit ala amalin informe moi d'une œuvre une action. tuho, si je fais cette œuvre là Allah je vais être aimé d'Allah Azawajal. Wa et je vais être aussi aimé des gens. Donc yani amran a deux heures, deux grands deux grands ordres deux grands bienfaits que l'homme n'est-ce pas demande. C'est de grands bienfaits T'imagines, l'amour d'Allah, ma'rafatullah, est le fait aussi de l'amour des gens. Et quand tu vas quand tu réfléchis au hadith, eh bien tu te dis quand des fois eh bien toi euh, on te parle d'appréciation des gens, que les gens euh, puissent t'apprécier, que tu puisses être apprécié des gens, c'est quelque chose finalement qui est important. Bien sûr l'amour d'Allah il doit primer, l'amour d'Allah fait dans ton cœur, il doit primer toi tu dois œuvrer pour Allah Azza wa lillah subhanahu wa ta en espérant que avec tes œuvres, tu entres dans ce que Allah de ce que Allah il aime et il agrée. C'est le but de tes œuvres. N'est-ce pas que tu adores Allah Azza wa Jal, de sorte que ce que tu fais est aimé par Allah et Allah en plus il l'agrée. Mais il y a une chose importante dans le hadith, c'est que l'homme a demandé aussi d'être aimé des gens alors que toi, des fois, tu as l'impression que la vie des gens ne t'intéresse pas, l'opinion des gens ne t'intéresse pas. Le fait que les gens puissent m'apprécier ou que je puisse être aimé des gens m'importe peu. Oui, peut-être. Il y en a fait, dans le chapitre tu vois, de l'athlétisme, tu te détaches des biens, euh, des gens, des choses comme cela et tout, certes. Mais cela ne veut pas dire que tu dois déconsidérer eh bien, le fait que les gens puissent t'aimer ou t'apprécier. Et cela pourquoi parce qu'en fait, tu te rends compte que ton comportement, il est important. Parce que si tu te comportes mal, ou que tu fais en sorte de ne pas être aimé des gens, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa a donné à Jawab a une réponse pourquoi Dans l'amour d'Allah, dans l'amour des gens aussi. Si ce n'était pas intéressant, qu'est-ce qu'il aurait dit Non, attends, cherche à savoir comment te faire aimer d'Allah et ne cherche pas à savoir comment te faire aimer des gens. Tu vois, tu vois la, la, la tarbiyah ou pas, l'éducation, et ça rejoint un hadith. Tu sais, quand le prophète te dit « wa al nas bi hasan » Tu vois, comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Ce qui veut dire, fais preuve d'une noblesse dans ton comportement. Et quand tu vois que, comme l'expliquait l'imam Abba il fait « il disait que les pieux prédécesseurs, ils pleuraient, ils pleuraient la nuit, et ils extériorisaient la joie. Ils extériorisaient dans la journée la joie et ils pleuraient la nuit. Alors certains vont dire oui, cela veut dire quoi que donc ils s'amusaient, ils s'éclataient la journée. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire qu'ils extériorisaient d'eux-mêmes le meilleur. Ils montraient une joie. Ils montraient, tu vois, au point même que des ulama comme euh, euh, Ibn Hajar, Alhamdulillah, par exemple, Al-Ashqalani, qu'est-ce qu'il te disait ?« Idhar as-surur »« Madvalana »« Fi ayyad al-muslimin min sahir al-din Par exemple, tu vois, le fait que dans les jours de fête, les jours de fête, toi tu extériorises, tu extériorises. Euh, la joie, les choses comme cela, ça fait partie même de l'emblème de l'islam. Alors que là, as les gens, des fois, dans, euh, quand ils viennent à une fête ou des choses comme cela, on dirait qu'ils viennent à un enterrement. Tu vois Ou bien les gens, de manière générale, des fois, ils, tu, vois, tu vois leur aspect extérieur, tu n'as même pas envie de parler avec eux. Parce que tu vois, ils te montrent quelque chose de fermé, de renfermé, tu vois Ils ne sont pas, ils sont pas là comme cela, tu vois, à être ouverts. Et c'est important que de s'éduquer. Tu vois, de, de travailler son neuf de dire attention, même si moi, de nature, je ne suis pas quelqu'un à être trop souriant, eh bien, il faut que je fasse des efforts. Puisque l'homme vient voir le prophète, il lui dit, ⁇ D'où l'année ?⁇ Que je puisse être aimé dans Les nès et de la part des gens, de la même manière. Donc ce qui veut dire que eh bien, ces deux volets sont importants. La verticalité. Le fait qu'avec Allah, tu te fasses aimer d'Allah, que tu te fasses agréer par Allah, que tu œuvres pour être aimé par Allah, mais de la même manière, il n'y a pas de mal à te faire aimer des gens. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait dans cela des choses comme cela, bien sûr. C'est normal. C'est pas l'orgueil que tu recherches. C'est pas l'ostentation. C'est n'est pas la, la vanité, la vantardise. C'est pas ça le but. C'est que, qu'est-ce que tu entends par le fait d'être aimé des gens Cela veut dire que les gens. Te respecte et t'apprécie pour ce que tu es, en te respectant pour ce que tu es. Non, pas le fait que simplement tu, vois, tu te fasses aimer comme les YouTubeurs qui se montrent parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin que les gens viennent tu vois, leur, leur cliquer qu'ils aiment. Tu vois, parce que c'est important pour eux, pour leur notoriété. C'est important pour leur intérêt mondain. Tu vois. Ça, ce n'est pas un bon amour. Ça, c'est un amour par intérêt. C'est un amour uniquement tu vois, où tu demandes des intérêts par rapport à cela. Non, là, on parle de l'amour euh, fraternel, de l'amour, tu vois, parce que ça, tu l'oublies aussi peut-être, mais euh, Allah, lorsqu'il t'aime, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il appelle Djebélélé tu vois, il informe Djebélé l'Alisalem, Ruh al-Amin, tu imagines, l'ange hein, de toute vérité, l'ange qui est le prophète, y a des, 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 des anges pour transmettre le message au prophète SubhanAllah. Et il lui dit, Allah, Jaliefir, Allah aime un tel, aime-le aussi. Subhanallah. Et après, on connaît le hadith, les, les gens des cieux l'aiment, ainsi de suite, jusqu'à temps que, après il y a le Kaboul, il, il y a le fait que les, les gens, après eux-mêmes, se mettent à aimer euh, cette personne. Donc il y a, tu vois, un fil conducteur par le fait que d'être aimé aussi, ou apprécié, si je puis dire, dans le bien, à lal dans le bien. Dans le bien par les gens, et eh bien en cela il y a aussi une forme de qaboul, le fait que Allah veuille pour toi aussi le bien. Rappelle-toi qu'un jour, un des, un des hommes qui est devenu un compagnon, qui était un pire ennemi, parmi les pires ennemis du prophète, il disait Ya Rasulullah, en lui racontant cela, avant tu étais la personne que je détestais le plus sur terre, alors qu'il était dans la jahiliya, dans l'ignorance. Et de par le fait du message et tout, qu'il ne voulait pas accepter. Il Je. C'était. C'était la personne que vraiment. Il dit Mais quand Allah, m'a ouvert le, le, le cœur à la foi et que j'ai eu l'iman, l'aise à vous fait dans mon cœur, j'ai goûté à la foi, eh bien, tu es devenu la personne que j'aimais le plus sur terre. Subhanallah. Donc, ça prouve comme quoi, même dans cela, il y a du Donc Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire que, al-muslim, al-mu'min, il doit aimer aussi son prochain. Et il doit aimer les gens du bien. Quand tu entends des gens mal parler des savants, prends garde contre lui. Prends garde, tu vois. Parce qu'Allah, dans un verset coranique, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas Que les gens de science, eh bien, ils sont sur le, sur le même piédestal, avec, avec les anges, par le fait du témoignage de l'ilm, par la justice, l'équité. Allah accorde, et c'est pour cela qu'il dit « min al-ulama Ceux qui sont les plus craintifs d'Allah ce sont les savants. » Donc si toi, tu parles mal des savants, guéris ton cœur. Guéris ton cœur. Tu as un problème. Tu as un grave problème. Tu aimes pas les savants qui sont aimés par Allah et que Allah a élevé au niveau... Tu vois, de sa parole par rapport, par rapport au fait qu'il dit Shahid Allahu anahu la ilaha illahoua wa wal malaykat wa ulul ilm, qa'imana bilqist, la ilaha illahoua wa ulla azizul hakim, subhanallah. Allah, j'ai le fait là, t'imagines Il dit Allah témoigne, ainsi que ses anges, ainsi que les gens de science. Tu vois À partir de là, qu'est-ce que tu comprends Qu'il y a à ce niveau-là, subhanallah, un niveau qui est élevé et qui est particulier. Et qui leur est accordé quant à la grandeur de leur statut. Donc, cela pour dire quoi Qu'on se doit nous-mêmes d'aimer les gens de science, d'aimer ceux qui propagent la parole d'Allah et de son prophète, et d'aimer ceux qui sont des guides pour l'humanité, subhanallah. Donc, cela, c'est pour dire quoi Voilà. Il demande cela, et le prophète, qu'est-ce qu'il lui répond Il lui dit Azhad dunya, Azhad nas, nas. Et il lui a donné deux règles fondamentales. En lui disant, eh bien, détache-toi de ce bas monde et Allah il va t'aimer. Et détache-toi de ce que possèdent les gens et les gens vont t'aimer. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire que le fait de se détacher par nos cœurs de ce bas monde, cela est une façon d'exprimer le fait que ce bas monde n'a pas d'importance pour nous et que ce qui prime, c'est ce qu'il y a auprès d'Allah jalifu lâ. Parce qu'on sait que ce qu'il y a auprès de vous est voué à disparaître et que ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera. Donc, on délaisse ce bas monde par le cœur, non pas forcément par les biens matériels. Attention, cela veut dire par le cœur. Ton cœur n'est pas attaché à cela parce que tu espères ce qu'il y a auprès d'Allah. Et aussi, tu délaisses ce que les gens possèdent. Cela veut dire leur pouvoir, leur argent, leur notoriété, tout cela et tout, tu vois, qui, qui peut être attirant pour les affaires mondaines. Toi, toutes ces choses-là qui, qui font que toi, tu donnes de l'importance à quelqu'un par rapport à son statut social. Tu donnes de l'importance à quelqu'un parce que, par exemple, il est riche, ou il a du pouvoir, ou il est connu. Et ça, c'est bien connu, n'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que si, par exemple, il avait un voisin qui était très, très connu, n'est-ce pas? Très riche, ben, je ne crois pas qu'il se comporterait mal avec lui. N'est-ce pas? Après, c'est possible, hein mais il va quand même faire attention il va quand même montrer un certain bon comportement parce qu'il voit quand même que c'est quelqu'un qui peut dégager, tu vois, un certain intérêt quand même. Son voisin, et en plus de cela, il a des capacités, il a du pouvoir, des choses comme cela. Donc, il va faire attention. C'est normal. Mais si c'est celui qui, que tu vois mal habillé, tu vois, il n'a pas d'argent, peu d'intérêt, des choses comme cela, alors qu'il se peut qu'il fasse partie parmi les rapprochés d'Allah, il se peut que lorsqu'il invoque Allah, Allah l'exauce comme cela. Il exauce Une invocation à Allah Azza wa Jallah, il exauce. Ça rapprochait d'Allah. Il est pur, son cœur est pur, des choses comme cela. Sauf que nous, on ne le voit pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'aimer les gens. Mais pourquoi Pour leur qualité aussi spirituelle et morale. Pour le fait qu'ils peuvent représenter pour nous un bien à l'égard d'Allah. Et non pas pour des intérêts mondains. C'est pour cela que le professeur me dit Tu veux être aimé des gens Il ne t'a pas dit non, ce pas bien. Ne sois pas aimé des gens. Ne fais pas en sorte d'être aimé des gens. Non, il te dit Tu veux être aimé des gens C'est une chose possible. Mais pour cela, détache-toi de ce que les gens possèdent. C'est-à-dire, ne porte pas d'intérêt à ce qu'eux, ils possèdent. Donc, déconsidère leur pouvoir, leur bien, leur puissance, leur ordre. Déconsidère tout cela et tu verras que c'est eux qui vont t'aimer. C'est pas toi qui vas les aimer. Parce que toi, ton cœur, il sera en connexion avec Allah. là. Et c'est cela que tu comprends que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était là pour nous donner les meilleures orientations, la meilleure des guidances. La meilleure des choses, même si en apparence, en apparence, pour toi, ça ne te paraît pas cela. Mais tu te dois de te soumettre et d'accepter les conseils divins d'Allah et bien sûr les ordres d'Allah et de son prophète, parce qu'en cela constitue le plus grand des bonheurs pour la personne. Parce que le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il est lui parce qu'il est celui que Allah a envoyé avec la guidance et avec la religion de vérité. Qu'est-ce qu'ils te disent La guidance, qu'est-elle C'est la science utile avec laquelle le prophète est venu. Et le Seigneur te disait quoi C'est celle avec laquelle est venu le prophète Mohammed. Et la science utile, c'est le fait que tu dises que Allah a dit, son prophète a dit, n'est-ce pas Et les compagnons ont dit parce qu'ils sont les gens de la connaissance. Alors, ceux qui vont te dire aujourd'hui, oui, mais on est en 2024 ou 2000, ce que tu veux et qu'aujourd'hui, on a une autre vision de l'islam, des textes, tu vois, euh, il faut s'adapter, il ne faut, il faut pas confondre entre un discours, tu vois, le discours des gens qui pensent que le fait de ne pas pratiquer, ou de pratiquer ce que tu veux de l'islam, c'est faire preuve de modernité, ou faire preuve d'intelligence par rapport à ton temps, à ton époque. Cela, c'est une grave erreur, min ma caïda parmi les grandes portes que Shetan il a ouvert déjà depuis des siècles. Il suffit simplement de revenir, koto salaf, revenez un petit peu au livre des anciens, vous allez voir. Ce chapitre, il a déjà été traité pendant, pendant des siècles. Que shi'atan il utilise la modernité, et il utilise, selon le temps, la modernité et les époques des gens pour leur faire croire que eh bien, le fait de ne pas réfléchir comme les autres, et de ne pas te baser, ce sur quoi les gens se basent, c'est une preuve d'intelligence et de modernité et de développement de ta part. <laughs> cela, c'est bien connu. Hein? Et c'est pour cela que Shaytan, il a été le premier à, appli à appliquer cela. Iblis, il a été le premier à appliquer cela. Quelle est la preuve Ou Ad-Dalil Ad-Dalil, Allah, qu'est-ce qu'il dit aux anges Prosternez-vous devant Adam, alayhi salam. Ils se sont prosternés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont obéi, L'ordre d'Allah, il y a une révélation, il y a un ordre d'Allah jal, je l'applique, je le mets en application. Les eux, ils ne désobéissent pas à Allah jal. Donc, ils appliquent l'ordre. Ce qui veut dire, ils appliquent la parole d'Allah Et Ils appliquent l'ordre d'Allah comme toi, tu peux l'appliquer avec le Coran, avec le Coran. Et la Sunna, des choses comme cela, tu l'appliques. Mais Iblis, lui, il avait en lui, la nature liée à la désobéissance. La nature liée en fait à la contradiction et à la polémique. Et donc sa nature l'a poussé eh bien, à réagir selon son avis personnel. Bilkhiyas, avec un raisonnement par analogie. Abba, wa kalam min al Qu'est-ce qu'il a fait Il a refusé. Il a refusé pour ses arguments personnels. Et quelque part, tu fais la même liaison avec les gens. Qu'est-ce qu'il a pensé lui Mais non, mais lui, attends, tu l'as créé d'eux d'argile et moi je suis créé de feu. Donc moi je suis meilleur que lui. Mahua c'est quoi ta preuve Pas de preuve, pas de délit là. Hein lui c'est un, un raisonnement personnel qu'il s'est fait en disant je suis meilleur, mais pas en se basant à la sur la révélation d'Allah qui aurait dit tu es le meilleur. Non, non. Il a basé un avis personnel sur le fait de penser qu'il était meilleur. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a contredit l'ordre d'Allah. Et de là, ça l'a amené la perdition, l'égarement et la mécroyance. De la même manière, dès que toi, tu commences à faire fonctionner ton avis personnel et ta vision personnelle en contradiction avec les textes et avec la contradiction de l'ordre d'Allah et de son prophète, attends-toi que tu sois perdant. Attends-toi que tu te mèneras toi-même à ta perdition. Et c'est pour cela que même dans al-Asr, dans la sourate et eh bien du temps Allah qu'est-ce qu'il a fait il a mentionné yani ces quatre caractéristiques qui sauvent la personne de toute forme de perdition le yani dans le faq est utilisé dans ce terme là en arabe c'est pour dire c'est toute forme de perdition L'être humain, il est dans sa perdition totale, dans toutes les formes de perdition possibles. Il amanu wa amilu Watawasaw bil haqqi watawasaw bil En dehors de ces quatre personnes, quatre catégories de personnes qui vont respecter ces quatre principes la foi en Allah avec ses piliers, la pratique des bonnes œuvres, le fait de se recommander mutuellement la vérité, al-haqq, qui est quoi avec une bonne compréhension de cela et bien sûr le fait de se recommander mutuellement la patience puisque Allah est avec les patients donc celui qui va appliquer ces règles là et qui va respecter ces fondements là et bien il va être protégé et sauvé de la perdition totale quelle que soit la perdition et cela Qu'est-ce que cela veut dire Ça te renvoie à quoi À respecter des règles et à respecter des fondements. Et si tu ne respectes pas cela, eh bien attends-toi la perdition. Et donc tu peux penser ce que tu veux, mais il faut que ce que tu penses entre la vraie foi en Allah. Et aussi les bonnes œuvres qui sont avec deux conditions al ou wal mutaba'a. Sinon, ce n'est pas une bonne œuvre. Et enfin, d'appliquer après l'amal de mettre en application cela. C'est-à-dire la vérité que tu mets en application, tout cela que tu mets en application, le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, tout cela et tout, et bien sûr de se recommander mutuellement et bien, la patience. Qui veut dire quoi De patienter face aux épreuves, aux difficultés, de patienter par rapport au fait de porter le message, d'être croyant, des choses comme cela. Aujourd'hui, tu es éprouvé sur ta foi. N'est-ce pas Tu vois que être croyant, d'avoir la foi, d'adorer Allah, c'est compliqué. Euh, tu n'es pas le, la personne qui est le mieux vu. Tu n'es pas la personne où à l'unanimité, on t'aime. Tu vois? Les gens où tu vis, de, en globalité, ils t'aiment. Ce n'est pas cette situation-là. Par contre, si tu réfléchis avec intelligence, tu te diras, mais qui sont ceux qui m'aiment Qui sont ceux qui peuvent m'aider Qui peuvent m'aimer Eh bien, ce sont ceux qui... On la foi en Allah et qui partagent cet amour d'Allah et de son prophète. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, je ne serai jamais aimé de tout le monde. Comme le prophète qui était Imam al le dernier des prophètes, vous imaginez Le meilleur des créatures sur terre et pourtant, il n'était pas aimé par tout le monde. Des gens ne l'aimaient pas. Les hypocrites lui ont fait croire qu'ils croyaient en lui, des choses comme cela, tu vois. Ils ont joué contre lui. Ils ont essayé de manigancer, de le tuer, des choses comme cela. Alors que c'était celui que Allah avait choisi du haut des sept cieux. Pour qu'il soit le dernier des prophètes, apporter porter le plus grand des messages et qui perdura jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, euh, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Des gens ont essayé de le tuer. Des gens l'ont empoisonné. Des gens, euh, tu vois, ont fait une sorcellerie sur lui, des choses comme cela. Tout cela pourquoi pour essayer de, tout, de toucher à sa vie, Et Allah là eh ben, allez c'est cela, pourquoi Parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et Allah a voulu que ce prophète-là soit pas un prophète comme Sulaiman ou Daou avec un pouvoir, une capacité hors norme, qu'il puisse faire un voyage, n'est-ce pas, de un mois à une journée, des choses comme cela. Non, il a voulu que ce soit un prophète qui va lutter, qui va résister, qui va patienter. Et lorsqu'il part en voyage, il doit se préparer, prendre des provisions. Et lorsqu'il était en confrontation, il devait mettre une armure et se protéger et des choses comme cela, tu vois. Eh bien, c'était un prophète qui allait subir. Pourquoi Pour montrer à l'humanité, je suis comme vous, mais la réussite, la bonne fin, elle n'appartient qu'à ceux qui font preuve de piété et personne d'autre. C'est cela le, le grand message. Donc, pour résumer, c'est quoi le but final C'est de comprendre que ces deux orientations, quand tu veux être aimé d'Allah et de son prophète, tu te rends compte que l'amour d'Allah, il émane du fait de détacher ton cœur de ce bas monde, et l'amour des gens, il émane du fait de te détacher de ce qu'ils possèdent en termes de biens mondains. Et que ce qui t'intéresse, eh ben, c'est les biens de l'au-delà. Et à travers les gens, cela se traduit par le fait de qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter de bien ou qui peut être bon pour toi, qui va t'être utile pour toi, pour l'au-delà. cela, ces gens-là deviennent intéressants. Là, ces gens-là deviennent pour toi des personnes bonnes à fréquenter, tu vois bonnes à, à, à faire de ton entourage, des gens qui sont là à te motiver ou bien des gens qui sont là à être une bonne compagnie pour toi afin de t'élever vers l'au-delà et non pas des gens qui vont t'amener à descendre plus bas, tu vois, ou à t'éloigner encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala.